écoutez, là pour l'instant le rythme hein, il est tout à fait bon. Ouais. Vous êtes effectivement sinusal. Présenter un coup à 102, une tension 17-10 au bras droit, 16-10 au bras gauche, référencé à 13-8, une fréquence ventilatoire à 18, une SAT en air ambiant à 97. Guy Lebas, 34 ans, depuis 17 ans à la Croix-Rouge française et responsable logistique au niveau du Val-de-Marne. Sur donc 42 km, nous avons 8 postes secours avancés composés d'une tente, de deux snugs, des chaises et du petit matériel pour faire fonctionner ce poste de secours. Poste de commandement mobile, donc c'est un véhicule qu'on amène sur site pour commander chaque activité. Ça passe de la logistique aux jets de secours qui sont faits dans la tente du PMA ou sur le terrain des 8 postes de secours. C'est le centre névralgique du dispositif. Toutes les informations passent par ce véhicule, donc poste de commandement mobile. On a tous une place quelque part, ce qui fait maillon fort de la Croix-Rouge, c'est avoir chacun des compétences et de pouvoir les donner et les transmettre aux uns et aux autres. Quoi. J'ai 98 de coup, 74 de sac, ou 6 de tension pour faire une 7-5. Et pas d'antécédents médicaux, pas d'allergie. Okay. 36 ans. Thank you.
représente un maillon de plus dans la chaîne de secours et on représente principalement un intermédiaire entre les équipes secouristes et le médecin en apportant un abord technique au premier secours. On a dans notre véhicule une victime avec le fichier numéro 1203. Il devait être perfusé, il n'a pas voulu et donc il doit boire beaucoup. En hauteur, hein, il y aura moins de temps en hauteur. Le premier, on d'accord. C'était une vous prenez pas le médicament d'habitude. Vous êtes tout seul là? Vous êtes venu par transport moyen ou il y a quelqu'un avec vous? Non, je suis tout seul. Vous êtes en voiture, en transport? La voiture n'est pas loin. Après, on est à 1197. Ouais. Trauma du genou évacué vers le PMA, ouais. Et c'est sur place, oui. Ça a été géré par 45. D'accord, c'est bon. 1198. Trauma du genou évacué vers le PMA, laissé sur place, 46 ans, 45 aussi. Ok. À l'heure actuelle, on a déploré quelques déshydratations et puis un petit peu de traumatologie légère qu'on peut voir dans tous les marathons. Mais un patient a dû être perfusé en raison d'une déshydratation un peu plus sévère que d'habitude. Mais il va bien maintenant. Alors, avec ADUC avait pour mission de suivre la course et de renforcer les différents points de secours qui étaient répartis sur toute la course. On a dû médicaliser sur le parcours, enfin sur les différents postes de secours, 4 victimes qui ont été évacuées après vers le PMA de façon à poursuivre leur soins et leur permettre de regagner leur domicile dans de bonnes conditions. Globalement, c'était quelques victimes qui n'avaient peut-être pas eu l'occasion de se préparer comme il fallait, qui ont présenté quelques déshydratations ou un épuisement. J'ai eu 3 cas de déshydratation, dont une qu'il a fallu perfuser. C'était vers la fin de la course, le kilomètre 35 a été le kilomètre le plus critique, et qui, à un moment donné, même nous inquiétait un petit peu sur la nécessité de renforcer ce point de secours. Je pense qu'il ne faut pas réentamer une grosse épreuve sportive avant un mois, deux mois, après un marathon de ce type. Je m'appelle Emmanuel, donc je suis à la Croix-Rouge depuis 15 ans, j'ai 38 ans. Donc aujourd'hui, j'avais pour mission d'être le chef du dispositif. Donc mon rôle, c'était la gestion de l'ensemble des équipes présentes sur le terrain, d'être au cœur des difficultés des équipages. Donc l'objectif, c'est dès qu'il se passe une intervention, c'est d'être au plus proche pour pouvoir aider ou soulager. Merci à tous, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, dans les grandes lignes, je pense qu'on a plutôt bien travaillé. On a fait un petit débrief avec les docteurs. Ils ont trouvé effectivement que le dispositif était opérationnel et fonctionnel, donc tant mieux. Vous avez pu entendre à la radio effectivement que par exemple le kilomètre 40 c'était un peu compliqué à trouver ou des choses comme ça. Effectivement, avec l'organisateur, il va falloir qu'on se remette autour de la table. J'espère bien vous retrouver sur le terrain bientôt parce qu'on va essayer d'avoir d'autres missions de ce type. Hein. Et je pense que ça permettra aussi d'avoir moins d'appréhension, de se mélanger les uns les autres dans les dispositifs et de se connaître. Et ça c'est important parce que quelle que soit notre fonction, à la base on est tous secouristes et on est tous capables de travailler ensemble parce qu'on fait partie de la même association. Je vous remercie en tout cas d'être venu et à une prochaine fois avec plaisir. Voilà. Tu peux pas te mettre avec boutique marathon derrière arrivée là, tu vois, avec le bas, 34 ans. Ouais, c'est bon, merde. Allez, recommence.
En plus, on peut faire rire. Oui. Vous comptez nous suivre sur les prochaines missions? Bien sûr.